Ternatia s'étend au cœur de la province de Lecce et elle est située dans le territoire de la Grecia Salentina, île linguistique lénophone où on parle le grico. La zone habitée de la ville est située dans une vaste vallée protégée par les serres salentines, notamment par la serre de Martignano et la serre de Soleto. La tradition économique, agricole et pastorale est bien visible dans la verdoyante et luxuriante campagne qui entoure l'entière zone habitée. Les protagonistes principaux, c'est l'olivier, caractérisé par vaste culture, entouré et divisé par les murets de pierre sèche, typique élément architectural de la civilisation paysanne. La campagne de Sternatia est une guirlande de couleurs et parfums méditerranéens. Un paysage rural qui témoigne la ténacité des habitants du sud, des hommes et des femmes qui, au cours des siècles, ont façonné la terre aride pour la rendre féconde de blé et olives. L'histoire de l'ancienne société agricole revit dans les formes architecturales des fermes, typiques constructions rurales salentines, qui autrefois représentaient des véritables centres de production. Ici, particulièrement digne d'attention, est la ferme Kikoritso, centre de production datant du XVIIIe siècle et ancienne station postale pour les déplacements à cheval. Les fermes étaient caractérisées par une puissante structure défensive, visant à assurer la protection des petites communautés rurales qui opéraient en leur sein, comparables à de véritables centres de production autosuffisantes. L'héritage de la tradition pastorale est évident dans le paysage qui s'étend entre Sternatia et Soleto, dans l'encellement du sol appelé l'arco del Capraro, utilisé autrefois pour l'abrèvement des troupeaux. En se déplaçant vers la ville, on peut noter l'abondance et la présence des espaces verts, même à l'intérieur de la zone habitée. En effet, le territoire dispose d'un vaste jardin public, situé dans le nord-est de la ville, et équipé pour les temps libres des enfants et des familles. La pierre locale est capable de combiner les paysages naturels avec le centre habité. Elle est extraite, aujourd'hui encore, des carrières, situé à quelques kilomètres de Sternatia et utilisé autrefois dans le domaine de la construction et des décorations. L'exquise pierre calcaire est bien visible dans les rues de l'ancien bourg, dans les espaces harmonieux qui dominent les paysages urbains, dans les paysages caractéristiques où la culture rico-salentine est encore vivante.